maghrébins et européens qui sont là ce soir parmi nous. Je voudrais juste dire que dans la région de l'Oriental, on vit une période historique, ce depuis le discours de Sa Majesté, mars 2003. La région renaît avec un très fort dynamisme, des grands projets structurants, et tous les enfants de la région s'inscrivent dans cette dynamique. Et on espère tous être à la hauteur. On voudrait aussi contribuer au renouveau culturel de notre région. C'est pour ça que l'Agence de développement de l'Oriental et le Conseil de la région comptent renforcer tout ce qui est comme festival dans la région et initier de nouveaux festivals. Nous croyons que les festivals ont un rôle majeur à jouer, d'abord dans la promotion de la région, mais aussi dans le renforcement de notre patrimoine culturel, la conservation de ce patrimoine culturel. C'est ainsi qu'on compte contribuer au Festival du Rail de Changla, mais aussi au Festival des Oasis de Fili, au Festival de Nador de Changla. On compte initier au Festival des Jean-Baptiste, bien entendu. Et on compte initier d'autres festivals, notamment en 2011, un festival pour la ville de Bakken. Et à ce festival pour lequel on participe ce soir, qui est le Festival de la culture maghrébine. C'est l'édition première sur Inch'Allah le 19 juin 2011. Et c'est un festival qui mettra en valeur notre patrimoine commun à tous les pays du Maghreb, du point de vue culturel. Il y aura bien sûr un aspect musical, mais aussi un aspect de culture de façon générale. Une semaine du cinéma maghrébin et un aspect aussi sur le vêtement maghrébin et d'autres choses. La gouvernance de ce festival ne sera pas uniquement marocaine, elle sera maghrébine. Donc un comité artistique sera créé avec des participants de tous les pays du Maghreb. Encore une fois, je voudrais vous remercier pour votre présence et surtout remercier les médias de tout le Maghreb qui ont tous répondu présents, et tous les diplomates qui sont présents parmi nous et nos amis européens aussi. Je vous remercie et bonne soirée.